like a bird, but it knows. I couldn't whisper when you needed it, shouted. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Une nouvelle fois en forêt, autre jour, autre lieu. Et je vous présente ici cet endroit qui permet de trouver à l'état naturel des bonsaïs comme ce spécimen. Alors ici, il y en a quand même un certain nombre. Et ça, c'est dû en fait au sol qui est extrêmement rocheux, compact et qui en plus a été partiellement endommagé par l'homme, puisque on est sur une ancienne exploitation forestière. Donc il y a des pousses en fait de petits arbres qui finissent par être rabougris et qui donnent ces bonsaïs à l'état naturel, ce qui est absolument magique, il n'y a pas d'autre mot. Alors à chaque fois que je viens ici, c'est un enchantement. Il y en a un petit peu partout à différents stades d'évolution, et ce spécimen par exemple est absolument magnifique, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Alors je voulais vous faire profiter de ça parce que, comme vous le savez, il y a bien, voilà, hein, quand je vais en forêt, c'est aussi une manière de vous faire profiter de l'environnement. Et alors, c'est un endroit qui est doublement particulier puisque, comme c'est une ancienne parcelle qui était exploitée par l'homme et qui est maintenant en régénération depuis quand même pas mal d'années, on trouve donc des épicéas tout autour qui sont assez grands. Et justement, du fait de l'état particulier du sol, eh bien, il y en a qui restent à l'état tout simplement de bonsaï naturel. Et c'est une double particularité parce que je me trouve ici sur la cité que j'ai appelée Bellocan, en rapport avec Bernard Weber, qui est un illustre écrivain que vous connaissez sans doute, puisqu'on est sur une grosse fourmilière qui s'étend en fait tout autour de moi avec ces fourmis dont je suis absolument passionné depuis ma plus tendre enfance, pour plein de raisons, parce que les fourmis sont extrêmement sociales, elles ont un comportement, un système de fonctionnement qui est véritablement à part. Et ici on a des beaux spécimens en fait, donc je vais vous montrer ça. Donc ce sont des petites choses qui permettent d'avoir des grands bonheurs. Alors je vais vous montrer, parce que je ne peux pas résister, hein, comme vous le savez. Vous allez finir par vous dire. Alors je vous montre déjà ce petit pain là. Voilà. Regardez-moi ça, c'est absolument fantastique. Alors ne vous attendez pas à ce que ce soit quelque chose qui ne soit pas un vrai bonsaï, hein, parce que les spécimens normalement sont ici. Voilà, donc tout ça, ce sont des grands spécimens, hein. Mais ici, ce sont des spécimens qui n'ont pas abouti. Alors, on en trouve d'autres exemplaires, comme celui-ci, avec d'autres espèces qui sont là. Alors, ceux-là sont un peu moins, c'est un peu moins flagrant. Mais sinon, il y en a d'autres, hein, qui sont là. Hein. Voilà, donc il y en a un petit peu partout. Et alors, ce qui est génial, c'est que, voilà, on a cette colonie de fourmis qui vaquent à leurs occupations. Alors elles sont assez grosses quand même, hein, mine de rien. Ça paraît pas, mais elles sont quand même d'une taille. Bon, celle-là, ça va encore. C'est une petite, celle-là. C'est une petite. Mais faut se méfier parce que il y en a qui sont beaucoup plus grosses. Et elles ont en plus des grosses pinces. Hein. Donc ça peut mordre éventuellement de manière assez prononcée. Voilà, je voulais vous faire profiter ça. Alors on voit, elles sont là. Elles se promènent sur le sol. Elles vont à leur occupation. Ici, c'est fantastique. Puisque nous sommes au mois de novembre, en plein mi-novembre. Et il fait magnifiquement beau. Voilà, on profite du soleil. C'est juste hallucinant. Donc voilà leur fourmilière. Qui est ici. Alors il n'y a pas d'activité sur le dessus. Je pense que c'est parce que c'est... puisqu'on est aux périodes d'automne et on approche de l'hiver. Mais par contre, elles viennent d'ici, puisqu'en fait, il y a des entrées à différents endroits. Donc voilà, c'était pour vous faire profiter de ça. Et puis, je vais essayer de poursuivre mes pérégrinations. Et
puis au besoin de vous montrer d'autres choses si j'en croise. Alors, puisque vous aviez été intéressé par la Madouvier, et comme j'en ai une nouvelle fois à retrouver, hein, parce que c'est pas rare qu'on en trouve. Alors, j'en avais fait un dossier complet il y a très très longtemps sur la chaîne. Ou alors c'était sur la chaîne Inumura Sensei, je me rappelle plus, mais bon, ça fait très 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 longtemps. Donc en fait, la Madouvier, donc c'est le champignon. Hein. Alors, quand vous allez les prélever sur l'arbre, ils ont tendance à être spongieux. Il suffit d'appuyer dessus, et on se rend compte que voilà, c'est assez spongieux. Alors il va falloir entailler des morceaux comme ça, et puis vous allez pouvoir les ramener chez vous, les faire sécher de façon à pouvoir les réutiliser. Alors n'est utilisé non pas la chair qui est sur le devant, donc en dessous du champignon. Voilà, ici par coupe on va voir, hein. Donc ça c'est le champignon est collé comme ça contre l'arbre, et donc ça c'est le dessous. Les spores ici on va pas s'en occuper. Voilà, ça c'est pas ce qui va servir fatalement pour se servir donc d'amadou pour allumer un feu. On va se servir de la chair qui est supérieure et principalement qui est ici, qui est dans le cœur du champignon. Donc en fait, on va prélever le champignon. On va le faire sécher parce que bon, bah là, il est pas, voilà, hein, il est tout mou. Donc ça va être compliqué. Et puis après, une fois qu'on aura récupéré ça, on va faire des petits copeaux là, comme ça. Et une fois qu'ils sont secs, ce qui est le cas, et là, ça va permettre donc de lancer un départ de feu. Alors c'est ce que je vous disais, ça sert de bras zéro. Donc ça fonctionne avec un fire steel. Tiens, on obtient ceci. Donc ça fait de la braise. Donc après il n'y aura plus qu'à mettre ça dans un nid qu'on va avoir préparé, de façon à pouvoir lancer le départ de feu. Alors en sachant que ça peut être transporté sur de longues distances. Alors c'est un peu moins efficace qu'un autre champignon, mais qui est plus difficile à trouver, qui s'appelle le Daldinia concentrica, qui est un champignon noir. On en trouve souvent sous les arbres morts. Voilà, il y a des arbres morts parfois, on en trouve. Donc ce sont des champignons qui sont noirs, et comme le nom l'indique, c'est donc Daldinia concentrica. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est en cercle concentrique. Et ça, c'est par contre, c'est extrêmement efficace. Mais bon, la madouvier, c'est tout à fait efficace. Alors bon, le seul problème c'est respirer ça, c'est pas top top hein, au niveau de la santé. Mais bon, si vraiment voilà, on est dans une nécessité d'allumer un feu, donc ça il faut toujours en avoir à la limite. Alors c'est une odeur particulière, c'est une odeur de... c'est pas très agréable. Alors je suis pas sûr que ce soit très bon pour la santé d'ailleurs hein, cette histoire. Mais voilà, donc ça permet de lancer, une fois qu'on a fait son nid, etc., ça permet de lancer le départ de feu. Mais comme on a pu le voir, bon, j'ai eu un peu de mal à le démarrer parce que je l'avais posé sur le champignon, je pense qu'il avait pris un peu l'humidité. Mais quand c'est sec, mais ça dure très très longtemps, quoi. Ça fouette, mais ça dure très longtemps. Et ça fait beaucoup de fumée en plus, comme on peut le voir. Donc voilà, donc ça peut être une chose intéressante, donc on peut en récupérer, moi c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais récupérer quelques morceaux, parce que j'en ai plus beaucoup. Et puis je vais les faire sécher. Alors les faites pas sécher sur un radiateur. Mettez-les sur un linge, ou le mieux encore, c'est de positionner ça sur un... Sur du sopalin par exemple. Voilà, on positionne ça sur du sopalin. Et puis ça va permettre donc de pouvoir absorber l'humidité. Mais ne le faites pas en accéléré sur un radiateur, je pense pas que ce soit, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors après, il y a toute une préparation qui peut rentrer en ligne de compte aussi.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui les font tremper avec une solution pendant je sais pas combien de temps. Ensuite, ils mélangent ça avec des cendres, ils les laissent tremper pendant 24 heures dans la cendre, ensuite ils refont le truc, machin, enfin bon, bref. Oui, ça, bien sûr, ça fonctionne. Maintenant, on n'est pas obligé de se prendre la tête. Hein. Comme je vous l'ai dit, vous coupez. Alors, on enlève les. Ici, là, ces trucs-là, là. Parce que ça, c'est en fait, c'est. Voilà, ça, c'est impropre. Vous voyez, on voit bien, hein, ça fait des espèces de stries. Donc c'est par là où sont les spores du champignon en fait. Donc ça, on s'en sert pas. Ce qu'on va se servir, c'est de ça. Voilà, la chair qui est ici. Hein. Voilà, cette chair-là, qui est très dense en fait. Une fois que c'est sec, voilà, c'est très très dense. Donc c'est ce qui va permettre de pouvoir lancer le départ de feu. Donc voilà, on en fait quelques morceaux et puis après, il n'y a plus qu'à stocker ça. C'est l'heure de vous parler du Pouco de Vincent, donc de Scandinave. Donc j'avais dit que je reviendrais sur ce couteau lorsque j'aurais beaucoup plus testé la chose, lorsque j'aurais eu le couteau en main et que je me serais permis de pouvoir en faire un retour d'utilisateur. Donc pour ceux qui n'avaient pas encore vu la vidéo en question, eh bien je vous la laisse dans l'encart ici qui va s'afficher, que vous allez pouvoir aller consulter concernant donc la visite que j'avais effectuée chez Vincent, qui m'avait accueilli si gentiment dans son atelier pour me proposer donc la fabrication de ce couteau, d'ailleurs qu'on avait réalisé ensemble et qui m'avait donc il m'avait offert. Donc c'est du boulot avec du boulot madré à l'extrémité. Et donc j'avais dit que je reviendrais sur ce couteau concernant donc son efficacité et puis ce que j'en pensais véritablement. Depuis, il m'a fait un étui en cuir avec ce nouveau cuir qu'il a reçu, donc qui est très 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 joli, qui est très très beau. Donc je lui ai rien demandé, il m'a envoyé l'étui. Voilà, il a pensé à moi pour ce, puisque au départ il n'y avait pas d'étui. Donc ça rentre parfaitement à l'intérieur, bien sûr. Et puis niveau rétention, ben voilà, ça bouge pas, ça pose pas de problème, ça tient très très bien, il n'y a aucun souci. Donc d'ailleurs l'étui réalisé par ses soins avec à l'intérieur une gaine plastique qui permet donc de protéger la lame de ne pas être en contact avec l'étui directement, ce qui garantit donc aussi à la fois de préserver la lame et puis bien entendu l'étui lui-même de façon à ne pas le couper lorsqu'on rentre la lame à l'intérieur. Donc en tenue en main, c'est un excellent couteau, hein. Je peux pas dire grand chose de négatif là-dessus, hein. Sincèrement, bon voilà quoi, ça tranche du feu de Dieu, ça s'affûte extrêmement facilement, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Au niveau de l'entretien, c'est vraiment, bon voilà, il n'y a rien de plus simple à entretenir. Pierre Falkenhaven CC4, ou DC3 d'ailleurs, peu importe, moi je l'utilise avec la CC4, hein. ça fonctionne extrêmement bien, donc c'est vraiment très 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 facile d'entretien. Et puis alors après je mets dessus sur la lame, je mets de l'huile Balistol, donc j'en avais déjà parlé, hein. C'est une huile qui est très très connue, qu'on peut trouver pour pas cher. Je vous laisserai un lien si vous le souhaitez pour que vous puissiez aller voir chez Knife & Tools, puisque c'est eux qui le proposent le moins cher à l'heure actuelle. C'est une petite bouteille. En fait, pour en mettre dessus, c'est même pas la peine de mettre un chiffon, parce que j'utilise et je prends un coton-tige, je le trempe à l'intérieur de la petite bouteille et puis je passe par-dessus, ce qui permet donc d'économiser et de ne pas en mettre trop. Ça sert à rien. Et puis en plus, c'est mieux défini. D'ailleurs, on peut s'en servir le Balistol pour à la fois l'entretien du bois lui-même, même s'il est déjà pré-entretenu, puisqu'en fait, lorsque Vincent réalise ses couteaux, bien entendu, ils sont trempés, les manches sont trempées dans un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine, de façon à pouvoir garantir que le bois puisse absorber et puis donc être parfaitement entretenu, pas parfaitement soigné. Mais bon, si par la suite vous ne souhaitez pas, vous pouvez très bien mettre de l'huile Balistol, ça fonctionne voilà, tout aussi bien. C'est pas gras du tout, hein, ça pénètre bien à l'intérieur du bois, ça l'entretient. Alors comme on peut le voir, bon bah voilà, ça a patiné, hein, avec le temps. Donc maintenant c'est plus vraiment aussi net qu'avant, mais c'est pas très grave. Hein. Alors, le but justement, c'est que le couteau puisse vivre. Donc c'est ça aussi le but, hein, quand on a un couteau comme ça, hein, c'est que ça vive. Hein. Donc
Voilà, c'est le principe. Donc comme on peut le voir, hein, la lame n'a rien, il n'y a absolument aucun problème, hein, ça coupe sans aucun souci. Et quant à l'étui, bon bah voilà, je vous le montre de près pour que vous puissiez voir, hein, la définition au niveau de l'étui, ce que c'est. Donc c'est très très bien réalisé, hein, avec le passant d'ailleurs qui est assez large, hein, tout en cuir évidemment, et qui peut donc se placer à la ceinture sans problème. Hein. Ça pose absolument aucun souci. Hein. Voilà. C'est très positif, quoi. Ouais, j'ai pas, c'est pas du tout parce que c'est Vincent d'ailleurs. Il m'avait dit, voilà, tu seras objectif quant à l'utilisation du couteau lui-même. C'est solide, ça encaisse sans problème. J'ai déjà fait du bâtonnage avec, hein, et bon, sur les petites bûchettes, histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Et voilà, franchement, il n'y a rien, aucun souci, hein, aucun dommage, y compris sur la pointe. Hein. Donc c'est extrêmement acéré. Et c'est très polyvalent. Donc je vous le montre en effet de comparaison avec un Opinel numéro 8. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se retrouve avec un Opinel numéro 8, on se retrouve avec une dimension de lame qui est pratiquement similaire, enfin, même si c'est un peu plus long, bien entendu, sur le Pucco. Mais en fait, on retrouve un peu le même dessin de lame. Hein. Voilà. Ça permet justement d'avoir, là par exemple, on peut avoir un combo. Donc ça, je fais un clin d'œil à mon ami Alain, hein, qui m'a fait le plaisir de m'offrir cet Opinel, hein, un vieil Opinel d'ailleurs, qui a bien vécu, hein. Voilà, et qui fonctionne toujours très très bien. Donc ça c'est pareil, c'est un Opinel qui m'arrive très très souvent d'avoir en poche, bah, tout simplement pour pouvoir faire le complément, c'est-à-dire que ça je m'en sers de manière alimentaire, et puis ça c'est plus pour les travaux, quoi. Parce qu'on me posait la question aussi de savoir est-ce que j'avais un seul couteau à tout faire ou est-ce que j'avais plusieurs couteaux. En fait, je privilégie d'avoir deux couteaux différents. Généralement un couteau pliant, donc ça peut être un Opinel comme celui-ci, ou d'autres, hein, que vous avez pu voir. Strictement pour l'alimentaire. Et puis, comme ça ne contamine pas, en fait. Alors, peu importe, je sais qu'il y en a qui préfèrent l'inox plutôt que le carbone, hein, comme c'est le cas ici, parce que ça peut donner un goût aux aliments. Bon, franchement, moi, je me suis habitué. Avec le Pinel, c'est moins vrai, d'ailleurs. On a moins cette sensation de goût un petit peu dérangeant. Donc, ça ne me pose pas de problème. Donc, j'utilise un couteau pour l'alimentaire et puis un autre couteau pour les travaux. Donc, en l'occurrence, bah, voilà, le couteau fixe, comme ça, comme le Pucco, voilà, c'est parfait. Hein, ça permet de pouvoir être utilisé dans plein de circonstances. D'ailleurs, c'est un prétexte, hein. D'ailleurs, on a envie de le sortir. Ça tient très 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 bien en main. Hein. Voilà. Donc, comme toujours, hein, moi j'ai des petites mains, taille 8,5, hein, à peu près. Mais je pense que ça pourra s'adapter sans problème. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que Vincent, mais je l'avais déjà dit, hein, a respecté cette forme-là, hein, comme ça, qui part en s'évasant. Ce qui fait que, en fait, bah, la main tombe naturellement, le couteau tombe naturellement dans la main. Et on l'a, voilà, de manière complètement naturelle. Hein. Donc on peut se permettre, voilà, on peut très bien aussi mettre le pouce au-dessus. Ça pose pas de problème, il n'y a pas de garde, c'est bien rond, ça tourne. Enfin bon, voilà, quoi. Franchement, c'est un très 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 bon couteau. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. C'est pas une vidéo très très longue. Hein. C'est aussi de manière à vous le présenter et dans son contexte qui lui va le mieux. Hein. À savoir dans la forêt, bien évidemment, c'est un couteau qui est fait pour travailler. C'est un couteau qui est fait pour s'amuser, quoi. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser aussi avec ce type de couteau. Hein. Il n'y a absolument aucun problème. Hein. C'est fait pour ça, quoi. Voilà, pour la petite présentation, mais surtout le retour d'utilisateur. Je vais vous laisser les liens, comme à l'accoutumée, pour que vous puissiez aller voir le travail de Vincent concernant ce couteau, alors voilà, vous pouvez lui demander n'importe quoi. J'en avais déjà parlé, hein, dans la vidéo de présentation, on avait déjà évoqué tout ça, mais vous pouvez choisir les essences, hein. C'est-à-dire que ça peut être, on peut multiplier d'ailleurs les essences, même avoir avec des inserts en diagonale comme ça, hein, avec des inserts en laiton, plusieurs essences de bois, ça peut être de l'ébène, ça peut être, enfin voilà, il y a plein d'essences de bois différentes qu'on peut proposer sur le couteau. Donc Vincent est à l'écoute de la demande, etc. Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement abordable, d'extrêmement gentil également. Donc voilà, il n'y a aucun souci, vous pourrez lui demander
sans problème ce que vous recherchez. Voilà, j'espère que cet ensemble de petites vidéos vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe, ou par message privé. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut !Too young to dance.